bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo concernant la réception du colis que Fabrice de la chaîne PMR446DMR m'a envoyé suite à son jeu concours. J'ai été l'heureux gagnant. Là, j'ai ouvert le colis avant quand même hein, pour voir si, hein, si un de mes abonnés m'avait pas envoyé un truc, un cadeau ou un truc comme ça. Donc très bien emballé, hein, il paye pas le papier non plus. Hein. Donc, alors je vire les papiers parce que voilà, je montre, voilà le putain, Fabrice, t'aurais pu envoyer des autocollants, hein. Voilà, je vous montre, de toute façon on le verra bien. Je fais la vidéo un peu tard, hein. J'étais chez mon ami Pedro. Un petit mot, un petit message, un petit chèque. Non, là, c'est... Voilà. Des papiers. Plein de papiers. En tout cas, super bien emballé. Voilà. Et là, je vous sors la bête. Alors... voilà, la radio telle qu'elle m'a été envoyée, la boîte super propre, comme du neuf. Fabrice prend bien soin de son matériel, de ses radios. Hein. Donc voilà, radio Diti GD77, dual band VHF-UHF, 1024 canaux en mémoire, batterie 2200 mAh et DMR, Digital Mobile Radio, tiers 1, tiers 2. Alors tiers 1 et tiers 2, je ne maîtrise pas encore trop hein, le numérique. J'ai déjà deux radios comme ça, mais RTVis et RT3, hein, c'est, je veux dire, je pense qu'entre RTVis et toutes les clics, ils doivent faire tous les mêmes radios. Donc boîte, franchement Fabrice, rien à dire. Je vais l'ouvrir. Entre parenthèses, il m'a envoyé par sur Skype. Il m'a envoyé la facture. Hein, preuve qu'il n'y a pas de magouille. Hein, il y a vraiment une facture et tout. Je ne l'ai pas encore téléchargé. Voilà. Rien à dire. Propre. Je ne sais pas pourquoi je fais des... Mais bon, voilà. Je vous sors la radio qui est emballée. La batterie est mise en place hein, pour l'instant je sais pas si on peut l'allumer. Voilà, je l'allume vite fait. Fabrice m'a dit qu'il y avait un programme, là il est en mode je sais pas trop comment ça marche pour l'instant. Bonne belle petite radio. L'affichage est sympathique. Alors c'est dommage, il faudra que je refasse une vidéo où on voit un peu plus clair hein, sur l'écran. Je vais essayer de le faire comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Donc la radio en elle-même, propre, nickel, rien à dire. Même ce genre de truc, hein, pour vous montrer le soin qu'il apporte à son matériel, même ce genre de trucs comme ça, là, que tout le monde défonce, bah, il est nickel, hein, pas cassé, rien. Hein, c'est vraiment un gage sérieux. Là, petit pack de vis, hein, ça doit être pour le... Voilà, c'est des petites vis pour le petite ceinture. La documentation, il me semble, suite à cette dernière vidéo, c'est que en anglais. Bon, je m'inquiète pas. Hein. Je m'inquiète pas. Bon, je parle un peu anglais hein, pour manger, dormir et boire. C'est des d'installation qui m'a conseillé de ne pas installer. Hein. Il y a un programme de télécharger sur internet. Je vous montre hein, parce que c'est vraiment envoyé nickel. Voilà. L'antenne. L'adaptateur. 220 sur USB hein, pour le socle. C'est un socle comme le MD380 ou mon RTVis RT3. Hein, c'est le même style de socle.
avec le cordon USB. Voilà. Le clip ceinture avec deux petites vis. Et ce qui est bien, le câble de programmation. Voilà. Rien à dire, Fabrice. Encore merci. Merci. Merci d'avoir organisé ce concours. Hein, que le hasard m'a fait gagner une deuxième fois la radio. Voilà. Donc, je referai une autre vidéo plus avec une meilleure présentation de la radio, hein. Et peut-être sur la programmation aussi. Voilà, merci Fabrice pour l'envoi rapide de la radio suite à ton jeu au concours. Merci, franchement, super chaîne. T'es un mec sérieux, hein, y a rien à dire, hein, ça fait quelques mois qu'on se connaît. Et on discute souvent avec Skype ensemble. Aucun problème pour que quand j'ai besoin de conseils, que tu m'en apportes. Voilà. Voilà. Alors, pour la radio, c'est terminé. Je referai une autre vidéo plus tard. Là, je fais un petit message de fin. Hein. C'est un message personnel que je fais sur ma vidéo. Hein. De toute façon, je fais ce que je veux sur ma vidéo. Message personnel à Romain, hein, pour remarteler ce que Maggy t'a dit. Il faut ranger tes slips et tes chaussettes qui traînent autour de ton lit. Hein. Tu m'as pris au mot tout à l'heure en me disant, hein, tu ne le diras pas sur ta vidéo. Je le dis sur ma vidéo. Donc voilà, Maggy t'a dit de ranger tes slips et tes chaussettes qui traînent autour de ton lit. Voilà, sujet clos. Comme je le dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos proches. Faites attention à vos enfants et à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Hein. Voilà. Surtout, restez attentifs et vigilants. Prochaine vidéo, les gants mécaniques. Sur ce, je vous laisse. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Et à plus sur ma chaîne. Ciao.